Détermination avec toutes tes forces. Et ce qui est étonnant, c'est que nous devons faire virer le monsieur tombé.
et puis c'est petit peu qui me dit que mes camarades me disent comment ça, je n'arrive pas à quoi, mais voilà, par un monde qui t'attend à un coup comme ça, bon, c'est la volonté de Dieu, c'est plus fort que nous, on accepte nous, c'est un bar qui frappe nous et qui pas jamais suspendre quoi, parce que waouh, l'image a été claire devant nous tous. Qui genre vous racontez, rendre un hommage ensemble avec Mika pour ne pas jamais disparaître dans l'esprit? Bon, j'ai eu quelques moments vraiment super avec Mika et Jakout et Amazura. N'importe ça qui a fait là ou un hommage à Mika, je serai toujours présent. Nous sommes montés, comme je te dis, avec Fabrice. La fréquenté qu'a Fabrice assez souvent l'année dernière. C'était juste son projet papa le Noël que le projet Babi Soubou. Autant de fois que je travaille, support, ma famille, mes amis. Papa le son monde que t'adore. Et Mika son monde humble, noble, quelqu'un gentil. Et Lionel, qui côtoie ça assez souvent. Sa maman qui est un médecin. Je serai toujours prête pour la famille des jamais. Ce n'est pas seulement la famille des jamais. Mon message, c'est quoi? Mika Ben, c'est un jeune qui t'a projeté, qui t'a projeté une image positive pour Haïti. J'aurais aimé que les jeunes New York nous suivent comme Mika. Même le c'est pas politique seulement, mais pas pour Mika, il était un exemplaire. Et je pensais qu'on va avoir un jeune qui n'a pas touché de sa femme là. Et puis nous, on pourrait aller à la Bible, on va demander pour que les jeunes New York essayent en pile patience parce que Mika est en pile rêve dans la tête. Parce que dans la vie, il faut avoir plus de rêve, il faut avoir plus de patience pour arriver là où on à où l'autre. Dans 10 jeunes nous, font une route qui est beaucoup plus positive, suivre ça, Mika fait. Il y a tant d'autres jeunes qui ont fait des bagages exceptionnels. Et pour que demain Haïti, ce qui parle dépendre de eux, pas faire une route qui est négative là, parce que la négativité, ça nous fait souffrir. Dans 10 jeunes musique surtout, maintenant moi-même j'ai fait ma vie dans, dans la musique. Moi je suis fier d'être musicien et suivre pas qu'on nous parce qu'il est beaucoup plus fructueux, jeune nous qui a et moi-même nous tout en plus. Merci. Merci. Donc on est à l'Italien qui était à ce moment-là au Canada pour venir honorer un spectacle qu'on devait organiser au Mexique. Si peut-être ne devait pas se souvenir de ce que je vais dire, mais il était là à la première logique. Et moi je vais présenter Mikaël. J'avais dit, et je cite, la petite histoire raconte, on ne sait pas trop, qu'un jour, François Duvalier fixait son fils Jean-Claude et il avait dit, j'ai voulu un fils. Et j'avais dit ce jour-là à Lionel et à Ophi. Telle n'est pas votre cas. En regardant votre fils, il n'était pas encore Mika, il n'était pas encore Mika, mais il était encore plus fort encore Mika, mais il a aidé. Moi, je suis obligé de vivre avec très content pour nous garder un petit peu pour nous évoluer sur cette. Merci. Merci parce que vous avez accepté de dire dans le service nous-mêmes pour nous femmes et de l'UEA. Quand on vous connaît, Mikaël, c'est mon tout. Et puis sorti, leur demander pour définir une célébration ça. Ils ont deux voix. Et je suis content qu'on soit capable là de participer. Et non seulement pour dire Lionel a causé merci, même pour dire Mika, merci pour ça que vous avez fait pour nous. Merci dans notre monde, pour tout artiste,
que vous êtes accompagné, vous avez des talents, vous avez aidé dans polyvalence. Merci. Pour donc que vous avez fait par vous, vous avez été dans le service de votre accompagnement. Tout à l'heure, dans la fédération, il y aura encore d'autres témoignages. Et nous tous, nous demandons un témoignage qui va être déjà. Mais par contre, de nous considérer qualité de monde qui a lié à nous. Et c'est au nom de notre foi ce matin, nous sommes là, dans cette église, pour demander au Seigneur d'accueillir notre frère dans son paradis. Les funérailles chrétiennes comportent deux pôles. D'un côté, on voit le mystère de la mort. Naturellement, le mystère de la mort vaincu dans la mort et la résurrection de Christ. Et de l'autre, il y a une exhortation pour accueillir la parole de Dieu aujourd'hui dans notre vie. Nous cheminons vers son royaume. Et entre le mystère de la mort que nous essayons de comprendre dans la lumière de la mort et la résurrection de Christ, et l'exhortation qui nous est faite à chaque fois pour conformer notre vie à la parole de Dieu, cette salle, je dirais même cette salle, la mise de la mort de Dieu. En effet, quand on dit que quelqu'un qui est parti, ce n'est pas de l'ordre qu'on donne à Dieu. Mais on va pour Dieu au mot pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui as dit que rien ne peut nous séparer de l'amour que tu as pour nous en Jésus-Christ. Notre frère, il est parti. Nous ne savons pas dans quel état. Mais nous croyons que ton amour va au-delà de la mort. Parce que quand il le dit, rien ne peut nous séparer de cet amour. L'insécurité, la peur, le stress, le kidnapping, l'humiliation que nous connaissons aujourd'hui comme peuple, la mort vient de nous séparer de cet amour que tu as pour nous en Jésus-Christ. Et c'est au nom de cela que nous osons nous présenter devant Dieu pour lui demander d'accueillir notre frère dans son paradis. C'est plutôt une vision positive de la vie. On ne veut pas la mort de nos membres d'aider. Au niveau de l'Église catholique, nous avons prié pour les morts. Ce n'était pas prévu à la mort, mais on se rappelle de ceux-là qu'on a connu, qu'on a aimé. Et véritablement, quelqu'un qu'on a connu, avec qui on a tissé des liens honnêtes, sincères et réciproques, la mort ne veut à notre affection. La parole de Dieu ce matin nous présente cette réalité. Dans l'évangile, Jésus proclame les louanges de son Père. Père, je proclame les louanges. Au sage et au savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous pouvons trouver que la mort n'est pas capable de créer des mots. Nous sommes à la fin de la liturgie de l'Église catholique. Dimanche prochain, ce sera le dernier dimanche du célébrateur du Christ-Roi. Et là, l'Église nous invite à méditer sur la lettre. Il n'est pas la lettre dans le sens classique, matériel, mais plutôt la lettre des événements malheureux. C'est dans le même bon Dieu que vous voyez. Le nous choisit pour nous faire sacrifier, le nous choisit pour nous faire sacrifier, le ça, nous ne sommes pas rien pour nous capables de faire, nous ne sommes pas rien pour nous capables de faire. Vraiment avec ce mieux, comme Dieu de même, c'est peut-être ça qui m'a dit Jésus,
pour la foi. Moi, parlez pour nous aimer nos pauvres. Je vous réitère encore les mots de l'archevêque, côté la journée, en une parole qui est confrontée nous, côté que nous voulons adresser avec nous-mêmes, aussi Lionel, à nous tous familles, côté lui adresser avec Madame Mika, pour le dire bon courage et surtout pour continuer la vie du corps monde et continuer à veiller sur tout ça descend à Babassa, à veiller sur Gabriel, sur Leila et le bébé qui est là avec le chef. Nous avons un témoignage de Babassa. Témoignage à l'autre pour que, eh bien, l'Italie a dit que nous manquons. Chaque fois, la décision, eh bien, nous sommes délicats. Chaque seconde passée dans la vie, nous sommes délicats. Nous sommes juste ça, et quand nous même dans la soirée, peut-être la foule de bagaille, et les nouvelles arrivent comme un choc. J'en achète la décision là, et nous délivrons les coups à tout chat. C'est pour bagaille. Ça fait que nous avons pris courage pour nous accepter. Nous ne pouvons pas demander de nous. Ça fait que nous avons pris courage. Surtout, maman, papa, elle seule, madame, petite, ça fait que nous avons pris courage. Oui. Mika, la commande, c'est vrai. De nous penser tout ça, la commande, n'est pas plus de la conception. Mika a dit que. Meilleure façon pour mon tapati, mon mandel, c'est le continuer sa route et l'air. Voilà. Comment observer? Il y a deux manières de se rappeler de quelqu'un qu'on a connu, qu'on a aimé. On se rappelle peut-être avec tout le conditionnel du monde de ce que cette personne aurait fait dans sa vie de mauvais, qui n'en a pas fait d'ailleurs. Mais comme déjà dans la pédagogie même de la mort de Jésus, on se rappelle de cette personne, dans sa quelque qu'on fait qui belle, qui prend dans la vie, pour nous continuer. En pile d'addition, eh bien, nous prions lorsque nous parlons, mais une seule bagarre que la commande de nous, mettez tête ensemble. Que Echema est la première, véritablement, Echema. Pas au espace au niveau de lui, même si on le sait, la compétition est à avancer, mais la bonne compétition. Nous ne pas de l'autre, mais que nous sommes capables de faire intelligence. Nous avons dit, c'est le monde que vous avez choisi et à travers lui-même que vous portez nos messages. Vérifiez qualité de texte que nous avons produit. Et certains, certain, Lionel n'a pas d'accord avec moi. Il t'a fait comprendre le propos du texte. Pas tant de ça en commun de lui-même. C'est vrai, il y a la nation. Mais le texte, sorti depuis 24 décembre, il est dans Haïti, et bien nous retrouver dans l'État, nous découvrons que nous avons une mission. Et c'est pour ça encore le cas avec nous, nous pas de super. Il y a l'aller, parce que nous faisons ça, on aurait aimé pour nous. Mais ce n'est pas dans la quantité de jours que nous passons par les portes, mais plutôt la qualité de notre présence, de notre vécu. Le service avec bon que mon Dieu Marie, vous mettez le service l'autre. Oui, comme avec ce Dieu, Mika Allé, songez de toutes paroles que vous écoutez, dernier chanter que vous écoutez, côté la toute gloire, probablement à la sortie, nous allons chanter ce chant. Toute gloire, c'est pour Dieu, à qui vous méritez gloire. Nous ne sommes que des serviteurs. Le bon Dieu n'est pas nous donne, nous n'avons pas capacité. C'est pas tout capable de servir avec nous, mais qui nous donne condition, mais c'est capable de servir l'autre monde. En effet, Jésus n'était pas venu pour être servi, mais il
Parce que tu es servi avec toute compétence, tout don que mon Dieu te baou, tu te bénis dans le service logique. Vous m'avez dit tout à l'heure, moi je te dis, alors que Mika n'était pas encore mon cas, Mika même, et elle, mais également Mika même, et à elle, parce que vous parlez de Charles Souté, Jean-Marie, nous avons même une web de polyvalence, la capacité que j'ai pour comprendre le résultat et pour le nom. Merci pour tout ça, pour faire ce pays. Merci pour la vie, même pour les bails, pour que vous mouriez avec grâce au pays. Vous êtes déjà ici, mais ça, dans le même champ de ça, que vous avez à Haïti. Je ne peux pas vous dire ce mot.